3. Ya tatu. La prière change les choses. Maombi hubadili mambo. Même lorsqu'il y a simultanéité de forces opposées. Il enjo termine ici à Kabusiku. Il taiba facile. La prière change les choses. Eti maombi yanabadili mambo. Même s'il y a simultanéité de forces opposées. Ces mots-là, je l'avais entendu cette nuit-là. J'avais réfléchi pour comprendre la signification. C'est après que le Seigneur me l'a fait comprendre. Neno nilisikiaka nilipopokea pointi hizi. Nikaomba ili nipate kuelewa. La prière change les choses. Eti maombi hubadili mambo. Même s'il y a simultanéité de forces opposées. Hata kama kuna kuwa kwa wakati moja nguvu za upinzani. Même si kama nguvu za upinzani zinalamukiaka limoya. Simultanéité. Maana ke kwa kati moja de force ya nguvu opposé. Donc le diable agit, maana yake shetani anapotenda, et Dieu agit. Mungu naye anatendaka automatiquement. Papo hapo. Lui entre en action. Yeye anaingia mkazi. Dieu aussi entre en action. Mungu naye anaingia mkazi. Mais dans cette opposition de force simultanéité, simultané opposé, upinzani wa nguvu kwa wakati moja, la prière se jette au milieu. Maombi yanadema katika. Elle neutralise la force du diable. Zina komesha nguvu za adui. Donne le pouvoir de la puissance de Dieu de travailler. Na inapatia njia ya uwezo wa Mungu kufanya kazi. La prière change les choses. Maombi yanabadilisha kamambo. Esther se prépare. Esther ikajitayarisha. Elle dit j'irai. Akasema nitaenda. S'il faut me tuer, me tue. Kama itabidi nikufe waniue. Dans le jeûne de 3 jours. Mwa ile mafungo ya siku 3. Elle dit je pars. Akasema mimi naenda. Elle arrive chez le roi. Akafika kwa mfalme. Habillé. Nanava. Le roi est seul dans la maison. Mufalme ni peke yake nyumbani. Il voit la reine. Akaona malkia. Au lieu de dire, kuliko kusema, qui t'a amené? Nani amekuleta? Mama tu as violé la loi. Mama umeasi sheria. On doit te tuer. Utauawa. Chef d'état major, tuez la. Ewe akida, muwe. Au lieu de dire cela, kuliko kusema hivyo, la prière change la loi. Maombi kageuza sheria. La prière change la mentalité. Maombi kageuza mawazo. La prière change la bouche. Maombi kabadilisha kinywa. La prière change la décision. Maombi kabadilisha wamzi. La prière change tout. Maombi kabadilisha yote. Voilà le roi prendre son bâton. Ona mfalme aliyeshika fimbo yake. Il montre à la reine. Na kuinyoshea ma chérie, ma chérie, ma chérie. Eh, mpenzi, mpenzi wangu. Bienvenue madame. Umekuja hapa. Tu es ici. Tu es ici. Uko hapa. Va, viens, 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 viens. Njoo basi, kuja, kuja. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Unataka nikupe nini? Même la moitié de mon royaume, je vais te donner, mama. Hata nusu ya ufalme wangu nitakupa. Dis-moi ton problème, ma chérie. Niambie shida yako mpenzi wangu. Amen. 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 Amina. Alléluia. Amina, amina, amina. Alléluia. Amina. Elle trouva grâce à ses yeux. 5-2. Et le roi tendit à Esther le script d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha. Esther ikakaribia. Et toucha le bout du script. Na kugusa kichwa cha fimbo. Le roi lui dit. Mfalme kamwambia. Qu'as-tu, reine Esther? Kuna nini, malkia? Et que demandes-tu? Unaomba nini? Car ce serait la moitié du royaume. Hata ingekuwa nusu ya falme. Elle te serait accordonnée. Nitakupa. Et pendant qu'on buvait du vin, na wakati alipokuwa kinywa divai. Le roi dit à Esther. Mfalme kamwambia Esther. Quelle est ta demande? Haja yako ni nini? Elle te sera accordée. Utajibiwa kwayo. Que désires-tu? Unataka nini? Car ce serait la moitié du royaume. Qui l'obtiendra? Ikiwa nusu ya ufalme utaipewa. Amen. Amina. Amen. Amina. Je vais citer frère Branham. Nitataja ndugu Branham. Dans sa prédication qu'on appelle « Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis ». Katika mafundisho yake yanayosema eti na uzao wako utamiliki milango ya adui. Paragraph 30. Mtaja wa makumi. Maintenant. Sasa, je peux m'imaginer que lorsqu'une épreuve survient, ya kuwa wakati jaribu linakuja, quelle est la première chose qui sert de refuge? Nini jambo la kwanza linakuwa kama kimbilio? Un enfant de Dieu lorsqu'une épreuve survient, kwa mwana wa Mungu wakati jaribu linakuja, l'arme la plus puissante qui ait jamais été placée dans les mains de l'humanité, silaha kubwa ambayo imekwisha wekwa mu mikono ya wanadamu,
C'est la prière. Ni maombi. Et l'échange même est toute chose. Maombi yanabadilisha mambo yote. Cela a même fait changer d'avis à Dieu une fois. Iliwahi badilisha hata mpango wa Mungu siku moja. Dieu avait dit à son prophète Mungu alikuwa aliambia nabii wake de monter dire au roi qu'il allait mourir. Yule ni Ezekia sasa. Aende apashe mfalme ya kuwa atakufa. Et le roi tourna son visage contre le mur. Mfalme kageuzia uso wake kibambazi. Éternel, souviens-toi de moi. Eti Bwana Mungu nikumbuke. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Nilitembea mbele yako kwa unyofu wa moyo. J'ai besoin de 15 ans de plus. Nina haja ya miaka 15 ya zaidi. Dieu épargna sa vie 15 ans de plus. Mungu aka epusha uzima wake na mauti miaka 15. La prière change les choses. Maombi yanabadili mambo. Alléluia. Mina. Mukikuwa na kanisa. Ndio. Vous avez une église. Lenye munapatia mahubiri. Dans lequel vous avez des prédications. Musibazobeleshe